après une séquence municipale et des élections qui, pour le bien de la République, n'aura jamais dû se tenir le 15 mars. Malheureusement, il en est ainsi. Gagnant ou perdant, il nous faut être humbles, car c'est bien l'abstention qui, malheureusement, en sort grandement vainqueur. 60% d'abstention à Caudry. Et un maire, fils de son père, qui se targue d'avoir 65% des Caudraisiens derrière lui. Victoire, somme toute, vous le conviendrez, très relative. Je souhaiterais ici faire l'état de la situation à Caudry et de vous rapporter notre campagne. C'est un témoignage, c'est le pourquoi de notre engagement, et il me semble important qu'ici, à Lille, cela soit entendu. C'est donc une réélection de père en fils pour leurs propres intérêts et non pour ceux des habitants. Ils n'ont pas compris les enjeux auxquels nous avons à faire face. Le changement climatique, la santé, la justice sociale dans notre commune où le taux de pauvreté est de 30%, le taux de chômage de 28%. C'est aussi la sauvegarde de notre centre-ville et la lutte contre le monopole d'un hypermarché qui est pourtant encouragé par la majorité municipale. Caudry se transforme en méga laboratoire Leclerc, pour ne pas le citer, une animalerie, un magasin de jouets, pour concurrencer le centre-ville, une chocolaterie et bientôt un cinéma et un magasin d'articles de sport. Les enjeux sont réellement énormes. Et pour parvenir à ces fins, le maire me refuse de siéger à la commission de révision du PLU, targuant que mon score aux élections, bien qu'élu, n'est pas représentatif de la commune. Dans le même temps, il invite l'extrême droite à cette même commission.